Je fais, attends, je vais te faire un truc. C'est comme une boule de flipper. Qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Alors, pas du tout, aucunement. J'en ai pas vu un seul depuis 2 jours. C'est super. Peut-être que ce soir, je vais essayer de me libérer 5 minutes pour peut-être aller voir soit un petit bout de Morshiba, soit un petit bout de Melville, puis Melvins, puis voilà. Mais c'est hyper compliqué parce que bon, il y a beaucoup de trucs à gérer. Voilà, on est overbooké, quoi, tu vois. J'en ai vu un hier soir qui avait un kilt. Je sais pas si t'étais là. C'est pour ça que tu me dis ça. Eh ben, écoute. Je n'y suis pas allé, mais en tout cas, son kilt était très mignon. Ah ben, ils sont cons tous les deux, mais alors par contre, ils me font bien rigoler parce que les Corréziens, ils sont toujours dans la place. Et puis il n'empêche que 2 présidents corréziens, hein, sur toute l'histoire de la République, vas-y, on n'a jamais vu 2 présidents franc-comtois. Oui, bien évidemment, j'essaie, peut-être je reviendrai en 2020 à Besançon, on ne sait jamais. Ah, ben ça c'est hyper simple, c'est parce que c'est pas au milieu, c'est un peu comme Paris. Par exemple, on serait à Dole, on aurait vachement plus d'habitants, puis voilà, on serait les chefs, et puis Dijon, ben ça serait une banlieue. Et ben ça, je ne sais pas du tout, parce que je ne suis plus dans les papiers de la CIA depuis 2-3 ans, donc en fait, ils m'ont complètement oublié. Bon, c'est vrai que l'émission était dangereuse, mais pas toujours. Ah ben là, je suis content d'être content, ouais.